spectacle de plein air à moitié prix. Sail, la plus grande destination plein air. Tous les détails à sail.ca. Chez Entrepôt Auto du Rocher, c'est votre dernière chance d'obtenir 4 pneus d'hiver inclus à l'achat d'un véhicule et d'économiser des centaines de dollars. On a le taux qu'il vous faut. Certaines conditions s'appliquent. Autodurocher.com. Énergie. La radio préférée du Grand Montréal. Les années 80-90, c'est pas mal ça qui vient me chercher beaucoup. Là. Parce que c'est toujours ça que j'écoute quand je reconduis mon gars à garderie. Dès que j'en ai ma voiture, c'est ça qui joue. Ça n'a pas changé, c'est toujours aussi bon qu'avant. Les plus gros hits à Montréal. 94-3. Depuis 40 ans. Énergie. Bon après-midi, ici Andréanne Barbeau et voici vos infos énergie. Un homme de 69 ans a été découvert inanimé à l'extérieur ce matin à Québec dans le secteur de Sainte-Foy. L'homme aurait chuté du deuxième étage de la résidence pour personnes âgées où il demeurait. Vers 7 heures, un employé l'a découvert alors qu'il faisait environ moins 30 degrés. On écoute Étienne Doyon de la police de Québec qui était à RDI. On est en mesure, avec les informations, d'écarter l'infraction criminelle. Par contre, il y a quand même une enquête policière qui est en cours pour comprendre un peu les circonstances du décès de cet homme-là. Les gens de l'Est du Québec qui souhaitent traverser le fleuve Saint-Laurent ne sont pas au bout de leur peine. Le traversier entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon cesse ses activités ce soir parce qu'une inspection mécanique doit être effectuée. Ça s'ajoute à l'interruption de la traverse Matane-Bécomo-Godbout depuis le 20 décembre. Le service ne reprendra que le 8 janvier. C'est donc dire que pour les 5 prochains jours, les gens devront faire un long détour par Québec ou encore utiliser le service aérien offert entre Matane et la Côte-Nord. Une menace de grève plane au-dessus du port de Montréal. Le mois dernier, les 1100 employés se sont prononcés à 99 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'au débrayage. L'Association des employeurs maritimes et le syndicat sont actuellement en médiation pour le renouvellement de la convention collective échue lundi dernier. Et au sport, Carey Price s'est entraîné avec l'équipe cet avant-midi. Le gardien des Canadiens a raté le dernier voyage en raison d'une irritation. Il pourrait affronter les Canucks de Vancouver demain puisque Michael McNiven a été retourné au Rocket. H25, bonne année 2019 avec le retour à la maison le plus drôle avec Maxime Martin, Marie-Claude Savard et Seb Trudel. Max, ton mot du jour. Aquaforme. Aquaforme, Marie-Claude. Chaise longue. Et mon mot du jour est germe. Bienvenue à sa rentre au poste. Germe. Germe, oui. Germe. Et juste avant de débuter, je veux dire aux gens qu'on est sur Facebook Live. Ah, ben donc, oui. Tout au long de l'émission, on ne fermera pas les micros. Même sur pendant Facebook. Les pauses. Non, ça va être très dangereux. Ça va être croustillant. Oui, c'est en fait, les meilleures parties du show sont souvent pendant les pauses. Faudra pas oublier parce qu'on a Mme Potin à côté de oui. moi. Oui, exact. Et moi qui te livre ouvert, qui oublie des oui. fois. Donc, ça devait... En fait, et Seb, l'hypochondriaque. Oui, oui. D'où mon mot du jour, germe. Ouais. J'avais des parties de famille, puis à chaque party, il y avait au moins deux personnes okay, qui avaient germe la... dans le sens de microbe. Oui. Okay, ben ouais, tu pensais quoi, toi? C'est germé quoi? Que tu pensais qu'elle nous apprend que planter des fleurs en hiver, puis que d'un coup, avait commencé à germiner. Non? J'ai reçu ça l'année passée, un kit de germination, non? Un kit de germination? Oh, là, c'est l'affaire de verre de terre, là. Non, pour faire des pousses. Okay. Non, on n'est pas là. Okay. Non, c'est juste que, tu sais, les parties de famille du temps des fêtes, oui. Si vous êtes malade, vous avez la grippe, pointez-vous pas là. Non, non, c'est ce que clair. J'ai fait. J'ai pensé à toi. Moi, j'ai pensé le 31 en-dessus découverte parce que je ne voulais pas me contaminer. C'était mon cadeau. Tu as contaminé ou contaminé les autres? Non, j'ai pensé le 31 de loser en-dessus découverte. Moi, OK, non, attends, ouais. Parce que tu ne voulais pas que les gens te contaminent? Non, je ne voulais pas, moi, les contaminer. Ah, OK, ça c'est bien. Ça m'arrive des fois de penser aux autres, Marie. Je sais que c'est rare, mais des fois, ça m'arrive. Ton mot, c'est chaise longue. Ah non, moi, j'ai écouté le. Ben justement, moi aussi, je suis restée à la maison parce qu'il y avait des germes. Et j'ai écouté le bye-bye. Et moi, là, les moments que j'ai le plus aimé, puis on va en reparler un petit peu plus tard, mais j'ai trouvé que les pubs ont été extraordinaires dans le bye-bye. Et quel... Oh, j'ai pas flashé. Oh. Quel bonheur de voir Maxime ben oui. Martin, chaque bloc spot. T'étais là dans ta chaise longue bleue. Ouais. Et là, j'ai compris pourquoi tu étais parti sur la croisière de l'humour. C'était pour faire une pub de Sunwing. Ben, non, on faisait un show aussi. Ça faisait partie du deal. C'était un oui. show plus ben, la pub pour le bye-bye. Puis tout exact, ça, ouais. exactement. Et donc, t'étais ouais. très bon mais dans tu, ta pub. Oui, mais j'avais une ligne. Non, mais le tu ne l'as pas dit. T'as gardé tout ça. On a travaillé ensemble. Ouais. Je suis plein de surprises. Je me dis, je le dis-tu? Je le dis jamais. Non, mais, non, mais même mon chum, il me dit, voyons, il t'a pas dit ça, toi, qui étais dans le bye-bye. Parce que les pubs font partie du bye-bye. Ouais, mais je pensais pas que. En fait, c'est drôle, cette année, j'ai trouvé que le bye-bye, c'est un peu comme. Je sais qu'on va en parler tantôt aussi. Mais
c'était un peu comme le Super Bowl. Oui. C'était, ouais, c'était tout pubs. Ce qui était connu. Ça, les pubs ont été excellentes, mais j'ai trouvé que t'étais excellent. T'étais très, très bon. Ben, il a été plus présent que certains membres de l'équipe. On a vu plus dans le bye-bye qu'on n'aimera pas de nom. Et toi, ton mot, c'est Aquaform. Rapidement, je sais qu'on est pressé. Aquaform, je suis allé nager tantôt au Midtown. Je salue la gang du Midtown. Bonne année aux autres. Et il y avait juste un corridor de natation ouvert parce qu'il y avait un cours d'aquaforme. Mais écoute, c'était plein de madames. Puis c'est quand même du monde, des madames assez âgées. Mm-hmm. Et je sais pas avec quoi qu'ils se frottent. Mais j'avais comme un goût d'antiflagestine dans la bouche. Je te niaise, mais pas. Je nageais. C'est quoi ça? J'ai fait. Il y a un sacrifice. Ben, tu frottes dans la piscine. Tu avales de l'eau quand tu nages? Ben oui, je veux dire, tu avales de l'eau. Elle te rentre dans la bouche quand tu prends ton respire, puis t'expires, puis tu touches. Je veux dire, veux pas, tu sais, c'est pas. Veux-tu, fais pas cette face-là. Et j'ai fait, c'est quoi cette affaire-là? Et là, j'ai fait. Sont-tu toutes frottées de la même crème? Mais ça se peut. Le chlore, ça abîme la peau. Non, mais sinon, ça goûtait pas le chlore. Je suis habitué au goût du chlore. Non, mais le chlore abîme la peau. Fait que là, tu mets de la crème pour. Tu comprends? Mais ce qu'ils mettent, c'est fort, là. Ça se peut. Non, 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 écoute, le nez m'a débloqué, là, je sais pas ce que... Alors, t'as goûté à des vieilles dames. Ouais. En fait, donnez-moi votre recette d'eau magique de piscine, parce que... Non, c'est pas OK, on va revenir. Ça va, Marie-Claude? Alors, viens pas. Ça se peut pas. Les plus gros hits avec Robert Palmer. Bad Case of Loving You, Energy. Comment tu fais pour nager sans mettre de l'eau, toi? T'avales l'eau de la piscine. Non, mais, quand tu viens de bord, il y a... Ben oui, t'as recrache. J'ai encore le son. Je viens-tu... Hey, attends. On est en Facebook Live encore, je vous le rappelle. Hein? Oui, oui. Mais attends, je suis en train de préciser... Pensais-tu qu'à chaque gorgée d'eau que je prenais, je l'avalais pendant que je nageais? Non, parce que tout ça, là. Il y a du monde qui font de l'aquaforme avec de la crème bizarre. Toi qui avales, qui recrache. Je veux plus aller me baigner dans une piscine. Mais tout le monde avale, puis recrache. C'est quoi des longueurs, qu'est-ce que tu penses? Je veux dire, mais t'avales pas, mais je veux dire, tu sais, ça rentre un peu. Mais comment tu penses que je nage pas de même avec mon petit bonnet avec une fleur sur le côté, là? Mais je peux pas croire. Mais je te jure, j'avais ça dans le fond de la gorge. J'ai fait, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ben,